Les rameaux, qu'est-ce que c'est ? Alors je t'explique. Jésus, après avoir parlé d'amour, de paix, avoir fait des miracles, et il en a fait un paquet, il arrive à Jérusalem pour la Pâque des Juifs. C'est-à-dire ? La fête qui rappelle la sortie d'Égypte, Moïse, la mer Rouge, tout ça. Donc il débarque et il est acclamé comme le Messie. Comme le Messie, comme le Sauveur. Sauf que les gens y pensaient que c'était un Sauveur qui allait les délivrer de l'occupation des Romains. Qu'à l'époque ils étaient occupés par les Romains, donc ils croyaient que c'était un Sauveur politique. Ils n'avaient pas compris que c'était le Sauveur de l'humanité, le Sauveur de par amour, pour nous sortir de la mouise. Mouise dans laquelle on s'est empêtré. Donc il est acclamé, et c'est la folie dans Jérusalem. Je te raconte pas les embouteillages. Un peu comme s'il avait gagné la Coupe du Monde, en fait. Mais oui, c'est comme s'il descendait les Champs-Élysées ou la Canebière. Alors forcément, c'est pas un bus, il est sur un âne. Ah non, mais à l'époque, c'est un symbole royal. Peu cher, on n'a pas le temps de pavoiser les rues, donc les gens y mettent les manteaux pour que Jésus y passe sur la route pour faire un tapis rouge comme un festival de Cannes, tout simplement. Vite, 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 ils vont te couper des rameaux d'olivier. Des rameaux ? Des branches de palmiers pour agiter, pour acclamer Jésus. Mon Dieu, c'est Jésus! Hosanna! Hosanna! Mon Dieu, il est là! Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Mon Dieu, Robert, tu crois que Jésus m'a vu? Jacqueline! Oui, pardon. Tout le monde est content, c'est la fête dans Jérusalem et tout, ouais. Sauf que quelques jours après, le Jésus en question, que tout le monde a acclamé et tout, et ben les mêmes, la foule, ils demandent la mise à mort de Jésus, qu'on le crucifie. Eh oui! C'est pas joli, joli. Et vas-y, qu'un jour je t'acclame, tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu es le sauveur, et le lendemain je veux te crucifier. Mon Dieu, les gens, quelle hypocrisie, mon Dieu. Les gens, c'est nous aussi, non? Ah, tu vas me dire, quand Josie était directrice d'agence, elle était adulée, c'était la star, tout le monde voulait la voir et tout. Du jour où elle s'est fait virer, il n'y avait plus personne. Elle est un peu restée toute seule pendant sa dépression. Hein. Et moi, je suis pas fière, je n'ai pas trop aidé. On a tous besoin d'être sauvés parce qu'on n'arrive pas à faire le bien. On n'y arrive pas, que je te dise. Jésus, tu réalises qu'il est venu pour toi. Qu'il est venu pour nous. Et que le message d'amour, il est pour aujourd'hui. Et... Tu peux développer. Tu plaisantes, il faudrait des heures. Donc, à partir des rameaux, on entre dans la Semaine Sainte, juste avant Pâques. Et là, il va se passer un nombre de trucs. Et bien, il faut regarder la prochaine vidéo, alors ça sera pas moi. Eh, parce que moi là je dois filer, je pars à la messe des rameaux et je vais acclamer le roi d'amour. Allez, on y va, c'est parti, à bientôt. Merci Jacqueline. Bon, et ben maintenant, il faut cliquer sur la prochaine vidéo. Pardon.